Et notamment au Pôle emploi. Les matinales de la création d'entreprise, elles ont pour but de mettre en avant les actions de l'ordre au niveau de la création d'entreprise, au niveau régional. Ce matin, on a mis un coup de projecteur sur une convention qui est signée avec le Pôle emploi au niveau du bassin marseillais et qui, dans l'avenir, devrait s'étendre au niveau régional. Cette matinée, elle a pour but de présenter aux partenaires de l'ordre, les chambres des métiers, les chambres de commerce, la région, les plateformes initiatives et le Pôle emploi, de montrer toutes les interactions qui sont possibles entre nous. Le but étant que l'ordre soit omniprésent sur le marché de l'entreprise, que notre compétence soit reconnue et que nous ayons tous un même but commun, agir pour l'économie de notre région. Donc on a un comité création, un comité transmission, un comité secteur non marchand, un comité prévention et un comité financement. Donc chaque comité a à sa tête un président de comité et des équipes. Donc nous menons des actions au sein de chacun des comités et ce matin, dans cette matinale, qui était une matinale donc dédiée au comité création et transmission, nous avons invité un certain nombre de partenaires et notamment le Pôle emploi avec qui nous avons lié un partenariat qui s'est acté par une convention que j'ai pris le plaisir de signer ce matin. Donc, alors la matinale, nous sommes à la fin de cette matinale où après des présentations très intéressantes, les personnes continuent à échanger sur des problématiques communes. On voit bien tout l'intérêt de notre présence dans cette matinée où riche en présentations, riche en connaissances de vos dispositifs et des nôtres. Et puis la matérialisation de notre partenariat à travers de la signature de ces conventions. Moi, je suis très heureux d'être là ce matin et d'avoir été là ce matin et très heureux de démarrer parce qu'aujourd'hui, cette première matinale est cette signature de trois conventions, ce ne sont que le début sur le bassin marseillais, mais bien au-delà, je pense au territoire du 13, où on va avoir à cœur, vous comme nous, à développer ce partenariat dans une multitude et d'essaimer ces ateliers et ces relations proches entre les experts comptables et Pôle emploi.